Coucou tout le monde, comment allez-vous? Je refais ma première vidéo parler pour 2019, donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2019, pleine de projets, de bienveillance, de douceur et surtout de sérénité pour vous-même. Je revenais vers vous aujourd'hui pour vous parler d'un créateur, d'un scrappeur. Il y a aussi une boutique en ligne, c'est Romain B. Je ne sais pas si vous suivez sa chaîne. Donc, il a une chaîne de vlog où il vlog quotidiennement sous le nom de La Famille B. Donc, lui et son épouse font des vlogs quotidiens sur la vie de tous les jours. Et il est aussi créateur, artiste. Donc, il fait des pages de scrap, il fait des ATC principalement, mais il fait plein d'autres choses aussi sur le côté. Il est un peu touche-à-tout. Et j'ai enfin passé une commande sur son site et je voulais partager avec vous les produits que j'ai achetés parce que j'aime beaucoup son travail et bah, je vais pouvoir utiliser ses produits. Je suis super contente. Donc, tout d'abord, j'ai pris ce tampon pour fin de cette année, tampon Halloween, que j'aimais beaucoup. Donc il faisait des promos le dernier week-end de 2018 et j'en ai profité. J'ai pris un ensemble de badges. Donc ça c'est mes tout premiers badges. J'en ai jamais acheté avant parce que sur les sites classiques tels que la fourmi créative et tout ça, je trouve que c'est vraiment vraiment pas donné les badges. Et donc voilà, ils sont super jolis. Ils étaient aussi en promotion. J'en ai pris quelques-uns. Donc ce sera inséré dans mes créations. Et alors ce que j'ai pris chez lui, c'est des pochoirs parce qu'il fait lui-même ses pochoirs et je les trouve vraiment super. Donc j'essaye de vous les montrer du mieux possible. Donc j'ai pris un pochoir mot, j'ai pris un pochoir horloge, de nouveau un pochoir mot pour l'été. Donc on peut soit faire en fond, soit utiliser les mots indépendamment les uns des autres. Celui-ci que j'ai beaucoup aimé aussi. Et le dernier, le pochoir appareil photo avec toutes sortes de mots en dessous, qui est pas mal non plus. Voilà, et pour ranger tous ces magnifiques pochoirs, je lui ai pris un classeur. Il a lui-même personnalisé. Donc ici vous avez le nom de sa chaîne en ligne et il l'a même signé. Et alors le petit plus, déjà il y avait une jolie petite carte en remerciement de la commande et le petit plus c'est qu'il m'a offert en cadeau quelques découpes. Donc il y a deux découpes Noël, un sapin. Donc c'est dans la même matière que les pochoirs en fait. Ici, vous avez. Si je le tenais à l'endroit, ce serait mieux. Il en faut peu pour être heureux. Et quelques rouages. Voilà. Donc, je voulais vous partager ce créateur parce que, franchement, il vaut la peine d'être connu. Son scrap est tout à fait unique en son genre. Et j'adore ce qu'il fait. Donc, comme ça, vous savez. Et comme ça, vous avez le nom de sa chaîne si vous voulez passer une petite commande. C'est livré assez rapidement. Et il y a des chouettes produits, surtout les pochoirs. Et les tampons aussi, il y en a pas mal qui sont bien. Mais bon, des tampons, j'en ai tellement. Parce que j'achète tout ce qui passe. Donc, enfin, pas non plus dans toutes les boutiques, mais surtout chez Action. Et j'en achète pas mal en ligne. Donc, voilà. Et alors, la deuxième chose, c'est que. Grâce à Romain B, qui a fait un appel ATC Disney pour le mois de janvier, je me suis lancée, j'ai fait mes premiers ATC. J'en avais jamais fait, je ne savais pas trop comment faire, mais là je me suis dit, allez, allons-y. Du coup, j'ai fait 6 ATC Disney que vous pouvez voir dans ma précédente vidéo. Et bah, j'en ai envoyé un à Romain, mais j'en avais encore 5 à l'échange. Donc j'ai demandé si quelqu'un était intéressé. Et j'ai reçu un message de Valérie, qui était intéressé pour recevoir un ATC et qui m'a envoyé une jolie carte avec à l'intérieur son ATC qui est super mimi.
Donc c'est officiel, je me lance dans l'échange d'ATC cette année. Voilà, et il y a son petit mot évidemment. Et alors elle avait fait une petite enveloppe insérée dans la carte pour ranger l'ATC. J'ai trouvé ça vraiment super mimi. Et donc il me reste encore deux ATC à échanger parce que le reste des ATC a été trouvé. Et la dernière chose, c'est un petit peu fouillis comme vidéo, mais c'est pas grave. Je voulais montrer parce que je vous disais que moi les badges, je n'en achète pas parce que je trouve ça un peu onéreux. Pas pour ce que c'est, mais comme produit en soi. Et je ne me vois pas investir dans la badgeite pour le moment parce que je pense que au final, entre acheter les recharges et tout ça, ça ne doit pas revenir moins cher. Mais par contre, sur AliExpress, pour ne pas le nommer, je trouve ces cabochons. Donc ici, c'est sur le thème des cactus. Il y en a 20 dans le paquet. Et en toute logique, c'est pour faire des bijoux. Mais moi, je les utilise pour mettre sur mes créations. Donc je colle ça à la colle chaude. Et j'ai acheté plusieurs styles. J'en ai acheté un paquet sur les chats, un paquet sur les moustaches. Ici, c'est plus coloré. Il y en a toutes sortes dedans. Et je paye le paquet pour 20 pièces entre 3 et 5 euros. Donc moi, je trouve que... Je sais pas, je trouve ça intéressant. Je trouve ça joli en plus. Et j'utilise ça comme ça. Donc c'était une petite vidéo, mais je voulais vraiment vous parler de Romain. Comme ça, c'est chose faite. Sur ce, je vais vous laisser et faire du rangement de scrap room parce que je crois que quand on est scrappeuse, on passe une moitié de sa vie à scraper et l'autre moitié à ranger. Et là, je suis dans la phase rangement. Donc je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, pardon. Et je vous dis à bientôt.